Et salut tout le monde, c'est Redkill et bienvenue à tous sur ce runner de super-héros, même si pour l'instant, j'ai tout sauf l'air d'un super-héros. Mais on n'a pas à s'inquiéter car ce jeu-là nous propose de nous transformer en fonction de la situation en super-héros adéquat. C'est-à-dire que là, parce qu'il est parti super vite, ok, on a tout intérêt à prendre ce flash. Je pense que c'est le plus intéressant ici puisque nous avons besoin de rocher et... Ah, là on a un autre problème. Il faut plutôt se transformer en Poséidon, ce qui nous permettra de traverser ce... Ce pont cassé, hop là. On revient en flash évidemment pour aller plus vite, hop là. Bon, pour l'instant j'ai pas les bons réflexes, mais évidemment on va s'améliorer. En tout cas, je pense que ça va être une défaite. Quoique, attendez, je suis en train de le rattraper. La piscine olympique, je sais pas qu'est-ce que ça fait là, mais on y va. On retourne en flash, ah ouais mais il a pris un petit peu d'avance, il s'est transformé avant moi. Hop, on se remet en Poséidon, en flash, et les amis, la victoire est au bout. Non attendez, il est devant moi là. Bon, c'est pas grave, on est à 50% de débloquer le prochain héros. Et évidemment, plus on aura de super... Ah, l'autre, il vient d'arriver. Plus on aura de super-héros et plus ça va se compliquer car les choix vont devoir être faits de manière très rapide. Donc c'est parti pour le deuxième run. Ici, on va pouvoir se mettre en The Flash. J'ai cru que la planche allait casser, que j'aurais dû me mettre en Spider-Man car oui, on va avoir la possibilité de se mettre en Spider-Man. Est-ce que ça serait intéressant de se mettre en Spider-Man maintenant? Non, apparemment pas. Ici, maintenant, là, c'est parfait pour le mur. Là. Là, c'est parti, on peut grimper tranquillement, telle une araignée. Et rocher avec The Flash. Alors, c'est une piscine, ça? Non, c'est pas une piscine. Là, on se remet comme ça. Là, je me suis mis parfaitement au bon moment. Tac, là, on va devoir se mettre, à mon avis, en Spider-Man. Sinon, on se serait fait mal avec The Flash. On se remet en Flash, on se met en Poséidon. Et les amis, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Quoique, l'autre, il est juste derrière moi. Hein. Ah ouais, je le vois tout en haut, là. Il faut pas le laisser passer. Hop, je me bats en The Flash. Je monte en Spider-Man. Et les amis, on va pouvoir... normalement gagné. Lorsqu'il est en train de monter le mur là, hop là, flash, c'est reparti. Je vais essayer, je vais me laisser en flash, on va voir si je me fais mal en tombant. Non, c'est bon, tout va bien. On peut être dans n'importe quel super-héros, il n'y a pas de dégâts de chute ici. En tout cas, nous, on a débloqué Iron Man. J'allais dire Tony Stark, mais non. Appelons-le Iron Man. Ah oui, on va avoir la possibilité également de faire des petites mises à jour de nos héros avec notamment la rapidité. Plus 10% pour chacun d'entre eux. On va choisir... On va choisir Iron Man comme ça. On lui souhaite la bienvenue dans l'équipe. Hop là. Alors, qu'est-ce que je commence? Hop là, avec Flash. Ok, donc celui-là, c'est Iron Man, j'imagine. Est-ce que je peux grimper les murs avec Iron Man? Ah oui, c'est ça. Ça remplace Spider-Man, là, pour le coup. C'est quoi le bouton Super Power à droite, là? Attendez, je vais l'activer. Ah, je peux pas le faire pour l'instant. Vite! J'ai mis pendant une milliseconde. Oula, 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 oula. Iron Man. J'ai mis Iron Man dans l'eau, j'espère qu'il va bien. Les réacteurs vont bien. En tout cas, ça va. Ça a l'air d'aller, on peut repartir. Et hop là, là on peut rusher tranquillement. On peut pas rusher tranquillement. C'est pas possible dans ce jeu. Ça va être compliqué de courir dans le mur. On n'est pas dans Harry Potter, on pourra pas le traverser. Go. Voilà, parfait. On rush. Et là on est bien. Oh, j'ai hâte de voir ce que ça va faire d'appuyer sur Super Power. Là je sens qu'il y a un piège, je sens qu'il y a un piège. Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau là? Oh. Ah, c'était des ennemis apparemment. Ils ont pas duré longtemps. Allez go! On se met sur l'eau et on va pouvoir terminer largement. Franchement, on a pris de l'avance. Ça y est, je commence à parfaitement gérer le jeu. Hop là, j'ai parti super loin. Oh, Batman. Alors, je sais pas à quoi il va servir, Batman. Est-ce que ça va être pour descendre, voler un tout petit peu et pas trop se faire mal en tombant, je sais pas. Ou alors surtout de se battre. Je pense que ça va être pour se battre. Hein. Parce que les autres viennent d'arriver. On va voir ça d'ici peu. À mon avis... Ah mais non, il faut le débloquer, c'est vrai. Il nous faut un niveau encore. Bon, ok. Je fais ce niveau. Comme ça, on débloque vite Batman, voir ce qu'il fait. Hop là. On grimpe là. Tac. Je vais lui laisser me dépasser les autres, là. Leur laisser une chance. En tout cas, BOM! L'attaque de Spider-Man est tellement stylée. Eh mais je leur laisse toute leur chance pour me rattraper. Et ils mettent 20 ans à me rattraper. Je vais me mettre en flash dans l'eau. Comme ça, on va complètement électrifier la piscine et ils passeront pas. Ah, ça y est, il y en a un qui est en train de me rattraper, je crois. Allez! Il est où? Ils sont tout nuls. Hop là. Alors, on va se mettre en Spider-Man pour les attendre. Est-ce qu'on peut passer le pont en Spider-Man ou pas? Non, ça fait rien du tout. Hein. C'est vraiment... C'est Flash. Ok, allez, go. On y va. Et on monte tranquillement. Ah, ça y est! Il est là. Hop là. Je ne laisserai pas passer. Finalement, je ne laisserai pas passer. On est vers la fin du niveau. On va pas prendre le risque. Allez, go. Hop là. On grimpe ça. On se met en Flash. Et les amis, c'est la victoire. Attendez, on va essayer d'attaquer en Poséidon. Oh! Oh, c'est incroyable! On l'a complètement transpercé. Mais là, ce qui est incroyable, c'est qu'on a débloqué le fameux, le grand, l'unique, le sombre, le beau gosse, Batman. Alors, comment ça se passe? Ah oui, regardez, c'est ce que je vous dis. On commence sur un toit très très haut. Hein. Il y a moyen que ce soit ça, ce que je disais tout à l'heure, là, pour les dégâts de chute. Donc,
go mettre ça dans Spider-Man. J'aurais bien voulu mettre Batman. Donc là, je vais activer Batman. À mon avis, t'es obligé de descendre avec Batman. Hein. Attendez, je vais descendre sans rien. Ah, c'est ça. Ok, c'était sûr. Bon, bah, très bien. On va tester Batman. En tout cas, j'ai très hâte de voir quand il va se battre. Est-ce que je peux me changer en l'air hein, au dernier moment, tu sais. Bam. Voilà. Oh, ah ouais. Ah ouais, c'est stylé. C'est stylé, la chauve-souris de sortie. Bon, comment ça se passe là? Là, on peut y aller comme ça. On peut y aller comme ça. On peut y aller comme ça. On monte. Ok. Et ensuite, on va pouvoir s'envoler. Et là, ça va être très classe. Oh, let's go. Oh là là. On a passé tellement de trucs. Surtout qu'on n'avait pas Poséidon là. Aïe. Je me suis changé au bon moment. Sinon, c'était la tête la première dans le mur. Yop là. Oh, c'est trop stylé. Go. Ah, il faut que Batman se batte. Alors là, ça va être un coup de poing. Hein. Boum. Ouais, c'était un gros uppercut. Ah non, j'aurais dû voler. Je suis trop bête. Oh. Déploie tes ailes. Déploie tes nageoires, peut-être. Je sais pas. Non, y a pas moyen. Allez, on va remettre un gros uppercut dans ce noob. Et c'est la victoire encore pour moi pour ce niveau 5. Et le prochain sera Hulk. Oh, ok. Celui-là, par contre, il faut deux niveaux de plus. Un niveau de plus que les autres, donc 3. Alors, comment ça se passe ici? On a le choix entre ces 3-là. Plus de Batman pour l'instant. On va repartir un petit peu sur l'eau. Ça va. On va remonter tranquille. Tuc. Ok, tout va bien pour l'instant. Wow! Ok. Il faut pas vouloir être trop rapide. Boum! Un coup du dos. Et l'attaque du dos. Ah, c'est vraiment ça qu'il fait. Il attaque avec son dos. C'est pas. Non! Maintenant! J'essaie vraiment d'être parfait, mais. Non. Ça marche pas. Go! Il est là. Hop là. C'est parti! Alors, on peut monter. Alors, par contre, si on monte les marches en Spider-Man. Ah ouais! Oh, la lenteur! La lenteur du type. C'est alors qu'il pourrait sortir une petite toile, mais. Non. Peut-être qu'il n'y a pas de point d'accroche, c'est ça. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien, donc faut rien faire. Allez, Spider-Man, bats-toi! Ah, ça n'a pas marché, j'ai voulu le changer, mais. Ok, plus qu'un niveau et on peut débloquer Hulk. Allez, on en profite pour augmenter la vitesse de Batman en espérant qu'on va l'avoir. Et qu'on l'ait. Hop là, c'est bon, on l'a eu. Oh, oula, là, il faut sortir. Iron Man, j'aimerais bien tenter avec Batman, mais je sais pas si ça passe. Je vais. Wow, déployer. Oh, Batman! Non, ça marchera pas. Là, il faut Iron Man, forcément. On y va, on rush! Là, ça va être pareil, tac. Ok, et après, on va faire. On va tout survoler, là, les amis. Bam! Oh. On a survolé 2, 3 pièges. Wow! Ok. Non, pas celui-là. Celui-là, ça nous a dit non. Attendez, reste comme ça, reste en l'air. On l'a parfait. On y va! Revole un petit peu. Il faut revoler pas mal. Il y a de nouveaux trucs à chaque fois. Go! C'est parti. Ok. Et là, on peut directement se diriger vers la ligne d'arrivée avec les ailes. Il y a un barrage. Oh, attention! Oh non! Allez, vole! Ah ouais, mais c'est ça qu'il faut faire. Oh, attention, attention! Parfait! Oh, wow. Allez, c'est bon. Hulk est à nous. Allez, chose sérieuse commence. Donc là, j'imagine que cette fois-ci, on va devoir détruire de sacrés trucs plutôt que. Ah, voilà, c'est ça. Bon, trop bien. Allez, go! On se met en flash et bam! Ah! Attendez, est-ce que je peux casser ça aussi? Oh, ça serait trop bien qu'on puisse le casser. Allez, vas-y. Non! Mais Hulk est censé pouvoir le casser! Ah, dommage. Alors, on va essayer de casser les voitures. Yep, là. On y va. Est-ce que je peux casser les voitures ou pas? Boum! Ça a fonctionné. Attention, quelque chose va me tomber dessus. Non. Est-ce que je peux casser ça? Et. Non, pas du tout. Allez, Batman, ok. Pour l'instant, ça va. On va se mettre en flash maintenant, sans tomber dans le trou. Parfait. Là, il faut se remettre en Iron Man. Dommage. Ah, j'aurais bien aimé avoir un petit Hulk. On y va comme ça. Hulk, il peut casser ça ou pas? Le barrage, non. Ok, pas de problème. Non, non, peut-être. Oh non, il peut pas enlever 2-3 voitures sur son chemin. Hop là, boum. Ok, ça va. Est-ce que je peux casser ça au moins, s'il vous plaît? Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, go, on se met en The Flash. Oh, là, par contre, là, on va l'allumer, le type. Oh, bah, ok. On l'a juste tège, on a même pas cherché à le taper. On l'a juste tège de notre chemin et c'est bon. Let's go. Alors, qui c'est ça? C'est Wolverine. On va voir ça. On peut augmenter la vitesse de Hulk, ça, c'est cool. C'est vrai qu'il est assez lent. Oh, on va pouvoir commencer direct avec un vol. Trop stylé. Bon, il faudrait que j'active le super pouvoir. Faut que j'active les pubs. Comme ça, j'aurai le super pouvoir. Alors là, on a une échelle. Cette fois-ci. Ouais, on a rien pour monter. Donc, ouais, on va monter avec. Est-ce que c'est plus rapide? Ah, ouais, non, ils font tous des petits sauts comme ça. Là. Ouais, non. Là, ça change rien. Tu prends n'importe lequel, ça change rien. La petite baignade.
moment-là, évidemment, ça change. Batman va pouvoir lâcher un uppercut et surtout rester en Batman pour pouvoir voler. Attention, je ne toucherai pas l'eau, je ne me mouillerai pas aujourd'hui. Alors, comment on grimpe là? Ah, ok. Ok, merci. C'est vrai que quand t'as pas, ouais, t'as pas eu les bons super-héros, ils cassent les bâtiments, ils ne s'embêtent pas. Allez, go! On peut terminer comme ça et on va pouvoir découvrir du coup le prochain. Il me semble que c'est Wolverine. Je suis pas sûr. C'est Ah non! Est-ce que ça serait pas Iceman? On va voir ça. Mais avant ça, il va falloir qu'on détruise quelques petits trucs avec Hulk. Alors, bam, bam, bam. Je pourrais être plus rapide en mettant Flash entre les quelques mètres qu'il y a entre les trucs. Attention, bam! Ok, parfait. Allez, on enchaîne. On est parfait là. Il faut être parfait sur cette run. Ok. La synchronisation était parfaite. Allez, go. Hop, ce Flash, Hulk! Ce Flash, Hulk! Voilà, je perds pas de temps. Est-ce qu'il y en a la possibilité de... Non. Dommage que Spider-Man il fasse rien d'autre que de grimper les murs. Ça aurait été trop bien qu'il puisse lancer l'étoile, à part sur les ennemis. Hop là, allez, on grimpe. Tac, on y va, on casse tout, on casse tout, on casse tout. Boum, 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 on se remet en Spider-Man. Et là, on a plus qu'à rusher. Bam! Non. Ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est parti! Hop là! Et bam pour terminer. Ah, alors ça y est, on l'a. Dites-moi son nom dans les commentaires pour être sûr que je me trompe pas et on va le tester. Pour quelle raison on aurait besoin de la glace? Est-ce que ça serait pour marcher dessus et aller plus vite? Ça serait trop bien. Hop là, en tout cas, moi j'augmente directement celui-ci. Et on y va. Alors est-ce que ça serait pour éteindre le feu? Je vois qu'il y a des barils en feu, mais ils y étaient tout à l'heure aussi. On va voir. Ah, c'est peut-être là. Attends, on va essayer. J'espère que c'est ça. C'est parti! Ah non, c'est pour mettre au sol, c'est ça? Ah ouais. Ça, c'est quand même ultra stylé. Et hop là! Et... Tchac! Ok. Ouais, plutôt pratique comme truc. Allez, go! Maintenant, on grimpe avec Iron Man. On n'a plus qu'à se mettre en Flash et tout descendre. Est-ce qu'on peut descendre en... avec la glace? Je pense pas. Non, on peut pas. Hein. Non. Bon, allez. On va juste faire ça là. Tac. Parfait. On peut juste transformer l'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, on peut pas. Tchac. Ok. Est-ce qu'il y a un piège avant la fin là? Ça me paraît un peu paisible. Ah, c'est bon, y'a rien. C'est une victoire. Il est très rapide ce niveau. Oh, Wolverine. Ok, ça y est, il est débloqué. C'est évidemment lui. On y va, on va le tester. Et à mon avis, là, c'est pour détruire des ennemis. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Peut-être grimper, et encore. Non, à part être super agile. Un peu plus de rapidité sur Flash, ça c'est cool. On va pouvoir mettre aussi sur Wolverine. Et on y va. Alors, qu'est-ce que ça va être? Hop. C'est pour détruire des murs, quasiment. Ah ouais, c'est ça. Pour se frayer un chemin. En fait, c'est une version Hulk, limite plus puissante, qui casse encore plus que Hulk, normal. Allez, go! On monte tout ça, on va essayer d'attraper des ennemis avec nos griffes, ça pourrait être extrêmement classe. Tac! Ok. On va, parce que détruire des caisses, c'est sympa, mais... Eh, si on peut s'attaquer à des petits ennemis, ça peut être pas mal. Go! On monte, y a pas d'ennemis. Y a pas d'ennemis, quel dommage. Allez, go! On rush. Et prochain niveau, j'essaye le super power, voir ce que ça donne. Oh, y a un dernier... Oula, un dernier mur. Pas concentré, j'étais concentré sur le mur que nous allons détruire. Ah ouais, satisfaisant de détruire les murs quand même. Allez, go! On va. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement regarder une pub, comme ça on va débloquer le prochain directement. Donc ça serait Tornade, je pense. Et ça y est, on va pouvoir tester un super héros. Un super pouvoir, pardon. Un super héros, ça fait un petit moment qu'on les teste. Et là, il faut. Ah bah ok. Passer sur le sable comme ça en mode Tornade sans aucun problème. Donc je vais mettre. Je vais garder Flash. Et on va activer le super pouvoir. Alors du coup, ah ouais, ok. C'est vrai qu'il nous le manquait celui-là. On n'avait pas eu Superman encore. Ah ben là. Écoutez, je crois que je ne fais plus rien. Est-ce que si je me mets en tornade, ça va m'arrêter? J'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie, je vais le faire à la fin. Je vais le faire, non, c'est après le pont. Je vais le faire après le pont. Ou après le sable. Hop là. Allez, maintenant. Je me mets en tornade. Ok, c'est bon. Ça change rien du tout. C'est la victoire. La plus facile de toutes. Oh, Captain America. Allez, hop, on le débloque directement. Les 100% en regardant une pub. Comme ça, on peut directement le tester. Et oh, ça y est, on commence à avoir des ennemis qui se défendent. Yep là. Go, 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 go. Iron Man, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas eu. Ça fait plaisir. On remet Flash. Et les amis, c'est le grand rush. Oh, attention, il y a de nouveaux ennemis. Je l'ai complètement détruit. Allez, go. On passe là-dessus. Je peux pas passer avec Captain America. Non, ouais. Allez, go. Yep, par-dessus, là on réactive. Ouh, c'était limite, j'ai failli me faire brûler. Alors, Captain, non, Iron Man, là il faut passer par-dessus. Dommage, j'aurais bien voulu le casser. Et on va, j'ai personne pour le casser. On y va, attention.
Enfin, est-ce que je... Oui, non. J'ai pas envie de tester. Je vais voir si... si je restais en flash, est-ce que je mourrais du combat? En tout cas, c'est une victoire encore pour nous, les amis. Hop là. Alors, quel est le prochain super-héros? On est niveau 18, quand même. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Alors, les amis, je ne sais pas du tout qui c'est. On va le tester. Peut-être que son super-pouvoir va me donner une indication. Oh, c'est maintenant. Bam! Oh, ok. Ok. Le gars, il fait un hobby. Il se crée un hobby tout seul. Alors là, du coup, je vais essayer de le faire de tout en haut. À mon avis, ça va pas marcher. Non, ça va être une fois que je suis au-dessus du trou. Oh, pratique quand même. Plutôt pratique. Yabla, pourquoi j'ai pas ça sur Roblox quand je fais un hobby? Go, Iron Man! Hop là. Interminable, cette vidéo. Go jusqu'au trou. Et on n'a plus qu'à se mettre comme ça. Et les amis, ça va être encore une petite victoire pour moi. Découvrons maintenant le prochain super-héros. Ah, qui c'est là? Je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez qui c'est. Son super-pouvoir, quel est-il? C'est celui de détruire, de changer les matériaux. Ah, c'est Ant-Man! Ok! Eh oui, le super-pouvoir m'a donné l'indication. Tac, plutôt pratique. Je l'avais pas reconnu. Hop là! Ok, il n'y a pas moyen de se mettre hyper grand? Non. C'est parti! Ah non, il s'est pas mis en tout petit, dommage. Et donc ça y est les amis, ça ne m'a pas proposé de nouveaux super-héros, donc ce qui veut dire qu'on les a tous débloqués, on a fait le tour de ce jeu, et ça y est, commence à bugger le jeu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Red Kill pour ce jeu de transformation de super-héros, et ciao tout le monde, à la prochaine!